Mettez les Everest. Voilà, après qu'on a tout le vis, voilà. Tac. Hop. Quoi, déjà, elle est... Heureusement, la personne qui n'a pas tombé en panne, le pauvre. Regardez l'état, comment elle est déjà. Celle-là, elle est... On va tirer le variateur. On va commencer. Après qu'on a constaté l'état de courroie, comment elle est déjà. Franchement, il a de la chance. Heureusement, il n'a pas tombé en panne sur la route. Voilà. On va voir aussi l'état de les galets, comment ils sont. Déjà, ça va, c'est bon. Les galets sont à chasse. Voilà. Il y a un peu de jeu ici. Ça pareil pour un dépannage. Voilà, pour un dépannage. Voilà. On va tirer l'embrayage. On va voir le ressort de pouce. Ça va, la gomme elle est bien. Voilà. Ressort central, ça va aller bien. Regardez le courroie comment elle est. Regardez comment elle est cassée. Voilà. Regardez ici. Il reste 2 ou 3 verrages et après, allez, voilà. Là, on doit nettoyer tout l'intérieur, ici, un bain de disque. On va vérifier le bain de disque. On sort, ça va. Il est encore bon. Voilà, on va nettoyer un peu. Regardez comment elle est déjà. Voilà, toujours on va faire un nettoyage ici, rapidement. On va laisser ça gérer un peu, après on nettoie avec chiffon. Voilà, en fait j'ai changé tout le système parce qu'en fait les premiers variateurs, on a un problème sur dans l'axe à l'intérieur. Il a perdu beaucoup de la matière, ça veut dire qu'il y a un jeu entre l'axe et l'intérieur. Voilà, après voilà, j'ai changé tout. Les galets neufs, quoi encore système de voltélé par un œuf complet axe. Voilà, on va dire comment ils sont toutes neufs. Là on doit juste installer. Là on doit mettre d'un disque au rotor de démarrage. Voilà, il est là. Après on a courroie, on a changé courroie neuf. Elle est renforcée. Voilà. Avant de le mettre, on va mettre juste un petit graissage sur l'embrayage. Comme on a parlé, un peu de graissage ici sur le roulement à galets. Voilà.
Voilà, ça. Prêt. Et pareil. Graissage sur les galets, mais pas vraiment trop. J'ai choisi les galets 5,5 g. Avant, j'ai tiré, c'est 6,5 g. Pour lui, c'est trop un peu. Voilà. On a changé l'échappement. C'est pour ça qu'on a baissé le poids de les galets. Pour gagner la pêche. Voilà. Voilà. Après. Guide variateur, 9. Max. Voilà. Tout d'origine, tranquille. Après, comme on a parlé. C'est bon. Le reste, mes fixations. Pour l'embrayage, ici. On va juste serrer avec 14 mm. Ici, 17 mm. Voilà. C'est bon. On va ici, après, démarrer. Et ça donne quoi? Voilà. C'est bon. Voilà. Maintenant, on est. La boîte à clic. Pas de place. Là, le problème il est résolu, c'est bon. Il reste quoi? Le filtre à air et la transmission. Ça va changer. D'abord, on va faire le voyage.
pour éliminer l'huile de l'intérieur. Bon. Bon. Voilà, ici le démarrage. Là, on va faire un vidange sur la transmission, on va changer l'huile. Voilà, le bouchon de vidange. Regardez comment elle est. Déjà, elle est morte. On va laisser tranquillement comme ça. Et après, là, je dois fermer pour remplir. Voilà, on a commencé à remplir. Ça prend du temps un peu, mais on n'a pas le choix. Voilà, le scooter est fini. Là, on doit essayer, on va démarrer. On va essayer s'il n'y a pas de bruit. S'il roule bien ou pas. On a tout changé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Un mascotte, toujours. Merci pour mes abonnés. À la prochaine sur une autre vidéo. Voilà. Scooter retourne. Avec une nouvelle, comment dire, échappement. Il a mis un bon bruit, franchement.